Salut, c'est Bois2 et j'ai 2 minutes pour vous dessiner un sapin qui se fait enguirlander par sa mère. C'est une proposition d'Axel Delcro. J'ai trop le stress, si j'y arrive pas, j'aurai la honte. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, à commencer par faire les cheveux du sapin de la maman, c'est très très important. Alors, on fait un sapin un peu punk, comme ça. Voilà. On dirait Sonic. Rien à voir, quoi. Le mec... Alors, ouais, le sapin, c'est un peu plus touffu en bas. Et touffu en bas, pas dans un mauvais sens, hein. Touffu dans le sens... les feuilles, les plantes, tout ça, tout ça. Le pot, parce que les sapins, c'est dans des pots. Les épines, on verra si on a le temps, parce que forcément, les épines, bah, c'est long à faire. Faut faire des yeux à la maman. Comme ça. Avec des sourcils de fille, parce que c'est une maman, pas un papa. On fait une langue. Je suis à combien? Je ne sais pas, à 51 secondes, c'est chaud. Le petit qui s'en va, évidemment. Je me fais engueuler, je m'en vais, je boude. C'est un sapin, ça ne parle pas les sapins normalement, évidemment. Si vous en voyez un qui parle, envoyez-moi une image, s'il vous plaît. Donc faut qu'il boude. Alors faut qu'il boude, il faut qu'il fasse une tête comme ça. Voilà, là il boude, c'est bien. Il me reste... Oulala, oulalalala. On n'aura pas le temps de mettre de couleur, je pense. C'est pas possible. Voilà. Voilà, on va mettre une petite bulle. File dans ta chambre avec un point d'exclamation. Et lui, il va dire où les boules. Les boules. Parce que les boules, sapin, Noël, on rigole, on s'amuse. Voilà, on a encore un petit peu de temps, on va mettre des petites épines. Signe. Attention, attention. Fini. Je lâche les stylos. Alors continuez à proposer des idées. Le dessin sera évidemment disponible dans le lien de la vidéo. Et j'espère que ce dessin vous a plu et qu'il n'est pas trop moche.